Bonjour, la machine à faire des blocs de glace. Voilà, ça y est, on est parti dans les machines à faire des blocs de glace. Donc là, c'est un prototype qu'on est en train de faire pour calculer la puissance de froid qu'on a besoin. En fait, voilà. Donc c'est une machine qui va faire des blocs dans cet esprit-là. Là, c'est des blocs de 5 kg. On va avoir le double. Après, on peut faire plus. Hein. Maintenant, on a une espèce de machine pour souder, donc c'est jouable. Hein. On a une machine qui va bien. On a un laser, donc du coup, on peut souder les moules inox facilement, cela. Du coup, d'accord. Donc ça, c'est des blocs de glace. Les petits comme ça, ça met à peu près 4 heures pour les faire. D'accord, 3 heures et quelque chose. D'accord, on va dire 4 heures comme ça, c'est plus facile à compter. Donc, en fonction, bah, donc là, il y avait 10 moules de glace. On a fait 4 heures. Mais c'est une machine qui va être la moitié de ça en fait, hein, pour 10 moules. Là, ça sera une machine qui va faire 20 moules. Alors 20 moules toutes les 4 heures, 20 fois 5, ça fait 100 kg. Donc 6 fois 600 kg à l'heure, 600 kg par jour de glace, d'accord, en 24 heures. Ensuite, bah, après, il suffit de faire la règle 3, d'accord. Après, on arrive à faire beaucoup plus, quoi, d'accord. Au fur et à mesure, la machine de plus en plus grosse et toujours, bien sûr, des blocs de glace. Donc voilà, ça fait des blocs comme ça. Hop, je vais en tirer un pour voir. Et voilà le boulot, d'accord. Donc ça, bien sûr, c'est des blocs de glace que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est alimentaire. Hein. Donc faut, bien sûr, c'est l'eau qui va dépendre dedans, d'accord. Si vous mettez de l'eau polluée, elle sera polluée, d'accord. Mais si vous mettez de l'eau qui est correcte, et ben, ça fait correct. Ça peut être utilisé aussi pour les buvettes, pour ça. Il y en a pas mal qui utilisent ce format-là, parce que l'avantage de ça par rapport à la glace écaille, c'est que ça, c'est moins volumineux. Si je passe ça dans une broyeuse, la glace, ça va me faire de la glace écaille, mais le truc, c'est que ça va prendre plus de volume. Du coup, pour le transport, ça, c'est nettement plus intéressant. Les 5 kg, ben, c'est quand même moins lourd que les 20 kg, d'accord. Donc, du coup, ben, voilà quoi. Bon, après, il y a le 10 kg qui fait le double en longueur. Mais voilà, le truc, c'est ça, d'accord. C'est toujours penser à la praticité, ok. Voilà, donc vous savez qu'on les fait. Si quelqu'un a besoin, vous voyez, c'est une machine qui est basique. Là, on va faire un système d'attache pour les fixer dedans, d'accord. Alors, comme on n'atteint pas des grosses températures, on peut mettre de l'eau salée, d'accord. C'est pas du glycol qu'on met dedans, c'est de l'eau avec du sel, d'accord. Ça fait une saumure, et du coup, oui, parce que là, on est à peine à moins 12, donc du coup, ça craint pas. Parce qu'on n'arrive pas après en descendant en dessous, d'accord. Comme une machine à Eskimo où il faut être à moins 25, là, ben, du coup, ça va. Ok. Voilà, ben, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, d'accord. Mon WhatsApp, c'est plus 33 6 59 29 43 36. Je suis Fabien et de la SARL Gris. Merci, au revoir.